Bien, bonjour, merci pour la question. Euh, c'est effectivement une question euh, importante aujourd'hui où il faut euh, renforcer la euh, compétence euh, digitale de nos étudiants, mais il faut bien sûr continuer à, leur, euh, à, à les former et à leur donner les, les autres compétences managériales nécessaires. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a renforcé euh, tout ce qui était euh, digital dans nos enseignements. De façon à mieux préparer nos, études, nos étudiants et les, les sensibiliser à ces problématiques-là. Euh, il est clair que. Quand on réfléchit au digital, on va avoir deux aspects à la question. Un aspect qui est très technique, très technologique, et qui est souvent porté par des écoles d'ingénieurs, et un autre qui est beaucoup plus managérial, de façon à pouvoir mettre en œuvre ces innovations technologiques, ces innovations digitales, et, et aussi accompagner les entreprises dans leur, dans leur transformation, dans leur évolution vers une plus grande place du digital dans leur, dans leur fonctionnement et dans leur, dans leur quotidien. Et, et, et pour nous, école de commerce, il est important que l'on accompagne les étudiants de façon à ce qu'ils soient capables de, de gérer cette transition. Donc, euh, on continue à renforcer et à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire de leur amener les, 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 les compétences à la fois humaines euh, de leadership, d'intelligence de, de l'entreprise et euh, euh, les moyens d'accompagner euh, cette transition. Alors. On réfléchit aussi beaucoup euh, en tant qu'école euh, à des partenariats justement avec ces écoles euh, qui portent l'aspect technologique, les écoles euh, d'informatique, les écoles d'ingénieurs, les écoles plus euh, orientées vers l'intelligence artificielle d'ailleurs, puisque là récemment on vient de signer un partenariat avec euh, l'INSEA. Euh, et et, et c'est donc cette conjugaison de compétences qui va nous permettre de, de mieux préparer les étudiants euh, à ce qui va se passer demain. Donc euh, euh, il est important... De d'avoir cette, cette notion un petit peu d'hybridation euh, dans ce que l'on dans ce que l'on propose un petit peu des deux euh, ce qui se passe c'est que c'est quelque chose auquel on, on réfléchissait déjà beaucoup en fait on l'avait même prévu le lancement de ce de ce programme euh, qu'on avait initialement prévu comme étant un programme euh, euh, très euh, localisé ici sur, euh, sur le Maroc, mais il est vrai que l'apparition de la, de, la, de la pandémie nous a fait réfléchir un petit peu autrement sur ce programme et à le, à le rendre beaucoup plus euh, euh, international et beaucoup plus ouvert. Donc un programme qu'on avait... Plutôt conçu pour, pour le Maroc ou l'Afrique en, en général, on l'a euh, conçu plutôt ou repositionné sur un programme beaucoup plus international. Et euh, même si cette année, on prévoit encore d'accueillir dans le cadre d'un parcours francophone des étudiants qui sont plus. Euh, bah, qui, qui, qui maîtrisent la langue française pour pouvoir suivre les cours, donc plus euh, de l'écosystème marocain ou, ou, ou subsaharien, euh, il est clair que pour l'année suivante, on va ouvrir un parcours complètement anglophone et avec l'ambition d'accueillir euh, des étudiants de partout dans le monde. C'est la vocation de l'ESSEC ici euh, au Maroc, hein, c'est pas juste euh, d'enseigner ou de proposer des formations ou d'avoir un impact uniquement local, mais, mais de, de, de générer cette ouverture vers le monde et, et de pouvoir accueillir des étudiants qui viennent, qui viennent de partout, euh, tout en permettant euh, aux étudiants qui viennent chez nous d'aller explorer le monde au travers des parcours internationaux qu'on propose, au travers des échanges qu'on va leur proposer euh, pour. Euh, pour pouvoir s'ouvrir. Donc c'est donc une, une, longue, une longue réponse à votre question. Euh, euh, oui, c'était prévu et oui, euh, la situation a, a à la fois accéléré mais surtout nous a permis de, euh, de le voir en plus grand. C'est un parcours qui euh, s'intègre dans, dans un programme que l'on a déjà à l'essai, qui est le Global BBA, qui est un programme visé par le, le, le ministère de l'enseignement supérieur français, qui existe depuis... 45 ans maintenant, euh, et dans lequel on a intégré un parcours euh, innovation euh, et, et digital. C'est-à-dire qu'on a pris ce qui existait, mais on a renforcé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a renforcé les enseignements autour du digital, autour du quantitatif, de façon à mieux préparer nos étudiants et à, et à faciliter aussi leurs interactions avec d'autres euh, publics plus, euh, plus techniques. Euh, mais c'est un parcours qui est euh, identique euh, à ce que euh, l'on propose, c'est-à-dire que les étudiants vont euh, devoir aller passer un semestre dans une université partenaire dans, partout dans le monde ils pourront aller passer un semestre sur notre campus euh, français à Sergy ou notre campus euh, à Singapour et euh, intégrés dans ce programme ils auront la possibilité soit de suivre un parcours euh, plus euh, management de l'innovation et ça c'est en partenariat avec l'université de Berkeley, donc ils partiront un an à UC Berkeley pour étudier la -bas, euh, en troisième, quatrième année, ou de suivre un parcours plus orienté sur le management du digital, et ça, c'est un track d'un semestre qui est proposé en partenariat avec l'université avec l'école centrale de Casablanca. Euh, les étudiants sont mélangés, les étudiants de centrale, les étudiants de l'ESSEC sont mélangés pendant un semestre pour travailler les problématiques du euh, digital dans un cadre encore une fois un peu managérial. Toujours été central dans le dans le l'enseignement à, à, à l'ESSEC. Euh, en fait, on a un enseignement qui est construit sur, 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 sur trois grosses dimensions. Une dimension très académique qui est importante parce que quand on parlait de compétences tout à l'heure, il est important que les étudiants comprennent ce qui se passe, hein, que ce soit pas juste des bons exécutants, mais des étudiants qui aient l'intelligence des situations pour justement euh, à la fois s'y adapter, mais surtout les anticiper. Et puis même d'ailleurs construire eux-mêmes ce qui va se passer. Euh, L'académique, l'international, bien sûr, on, on, on l'a évoqué, cette ouverture est absolument nécessaire, et puis euh, tout ce qui est lié à la professionnalisation. Et c'est là qu'on fait rentrer tout l'aspect euh, euh, soft skills, l'aspect expérientiel qui est évidemment important. Donc, Dans le cadre de ce parcours, par exemple, les étudiants vont avoir trois expériences professionnelles, une à la fin de la première année, une plus de terrain en deuxième année, et un stage en fin de parcours de, de, de six mois. Et Tout au long de leur parcours, on va les accompagner sur cette dimension euh, euh, expérientielle, soft skills. C'est -à, à chaque expérience qu'ils vont faire, ils vont y avoir un débriefing qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui a changé pour moi dans, le, dans le, euh, la façon dont je, je, je regarde l'entreprise. Donc, on, on leur apprend euh, à faire un CV, puis après, on leur apprend à faire des, des entretiens euh, tout au long du parcours. Euh, ils vont avoir à faire des présentations devant leurs camarades, par exemple un cours de marketing, beaucoup de cas pratiques, et dans les cas pratiques, eh bien, euh, ils se terminent souvent par une présentation devant le professeur et devant le reste de la classe. Donc petit à petit, on les amène à, euh, à être de plus en plus à l'aise devant euh, un public pour présenter, communiquer. Euh, ils ont un cours d'entrepreneuriat, ils vont avoir à faire un pitch de leur projet, donc euh, un, une autre façon de, de communiquer. Et puis bien sûr, dans toute leur interaction avec l'entreprise, puisque lorsqu'ils vont sortir, par exemple, du programme... Euh Bibier, ils auront été au moins dix mois en entreprise dans trois contextes différents. Donc, ils auront développé cette sensibilité de l'entreprise. Ce ne sera pas juste des bons techniciens ou des bons exécutants, mais encore une fois, on, on veut leur donner cette intelligence. Donc, intelligence euh, technique, managériale, mais aussi intelligence humaine, dont on sait combien elle est importante aujourd'hui dans, dans la réussite à la fois personnelle et professionnelle. C'est central. Vous avez en fait résumé les, les trois mots-clés euh, d'un centre que l'on a créé qui s'appelle InLab Africa, euh, pour Innovation Lab, qui. Euh euh, se construit autour justement de, de, de ces trois idées. D'un côté, euh, innovation, euh, euh, inclusivité et euh, bon, on a pris entrepreneuriat, mais derrière, il y a l'idée d'entrepreneuriat. Et c'est donc au, au centre, de c'est dans ce centre que l'on va avoir justement toutes, toutes ces compétences. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, euh, il est important, il, il, y a, il, y a, il y a certaines choses qui sont à maîtriser dans le cadre d'un projet entrepreneurial, mais souvent et aujourd'hui il va s'articuler autour d'innovation. Euh, donc l'innovation est effectivement importante euh, pour pouvoir euh, créer, générer des projets et derrière pour nous de les accompagner. Donc en fait on est dans, 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 dans ce système dans lequel... On va euh, accueillir des idées, des projets. Euh, on va euh, travailler la, la dimension innovatrice de ces, de ces projets. Parfois même, elle va émerger directement euh, dans le cadre de collaboration entre un étudiant ingénieur et un étudiant de l'ESSEC. Et, euh, et, et, et on va, après, dans le cadre d'un incubateur et d'un accélérateur, accompagner ces projets. Donc, euh, euh, et, et beaucoup de so ces projets sont évidemment construits autour de ce qui est IT, digital, puisque c'est quand même maintenant un vecteur d'innovation très, très fort. Hein, donc euh, tout, tout ça, tout ça euh, se conjugue au sein de, au sein de ce centre INLAB de façon à, à à la fois faire émerger les innovations, euh, accompagner les, les étudiants dans la mise en œuvre de, de, de ces innovations, donc parfois aussi en allant chercher des compétences euh, un petit peu autour, et dans l'accompagnement euh, de ces innovations pour les transformer dans des projets euh, entrepreneuriaux, et après dans la mise en œuvre de ces projets, dans des phases d'accélération et de, et, et de déploiement euh, de l'entreprise. Donc tout ça c'est en fait un écosystème. Il n'y a pas l'innovation d'un côté, il n'y a pas le digital d'un côté, il n'y a pas l'entrepreneuriat de l'autre. Euh, tout ça doit se, doit, doit se nourrir dans cette notion d'hybridation, cette notion de diversité est extrêmement importante. Et c'est dans ce sens qu'on va essayer de faire venir cette diversité. Des pédagogues par exemple qui vont arriver et qui vont avoir des idées sur comment mieux enseigner. On a mis en œuvre par exemple un projet qui s'appelle Remoteach euh, dans le cadre de Hack Covid qui était euh, euh, un projet APB. Euh, euh, on a mis en place euh, ce, ce, ce projet APB, qui, euh, ce projet euh, Teach, pardon, qui euh, euh, permet euh, à, de former des formateurs au monde de l'enseignement digital. Et, 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 et on, on a un système dans lequel on garde les deux meilleurs euh, étudiants qui deviennent eux-mêmes formateurs de façon à pouvoir former de plus en plus de personnes. Mais on, on est là clairement dans une dimension où euh, euh, la pédagogie, par exemple, et, et, et sa conjugaison avec la technologie nous ont permis de mettre en œuvre un projet, un projet entrepreneurial qui a été hébergé par, par ce centre. Donc voilà, les, les, les deux sont, euh, enfin tout ça euh, doit être vu de façon, euh, de façon euh, un, entre guillemets complexes, mais en tout cas synergiques, euh, pour pouvoir effectivement arriver au bout du compte à, à générer des projets entrepreneuriaux qui ont le potentiel, euh, un gros, un fort potentiel de succès.